بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إن Le Wharf voit au fort islam étant son champ d'action. Prochainement, vous découvrirez les nouvelles actions auxquelles vous pourrez contribuer par votre participation au Wharf. Séisme, urgence vitale, urgence humanitaire, parrainage d'orphelins. Ensemble, nous pouvons changer les choses, par la grâce d'Allah. Restez connectés. Cette vidéo.. Est consacré au progrès du projet WARF. Nous sommes heureux de partager avec vous les réalisations extraordinaires que nous avons accomplies ensemble par Allah. Le projet WARF, c'est une mission qui s'étend bien au-delà de nos souhaits les plus forts. Par Allah, grâce à votre mobilisation, nous avons récemment financé et achevé un puits crucial situé au Cambodge. Ce puits est devenu une source vitale d'eau potable pour plus de 500 personnes chaque jour dans cette région. C'est un exemple concret de l'impact que la communauté peut avoir sur la vie de ceux qui en ont le plus besoin, lorsqu'elle se rassemble, lorsqu'elle est unie autour d'un projet commun, tout en répondant à l'appel d'Allah pour aider les nécessiteux. Et ça ne s'arrête pas ici. Le projet Worf a déjà permis, avec l'aide d'Allah, la construction de pas moins de cinq puits, apportant de l'eau à des milliers de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer qu'un château d'eau est actuellement en construction au Népal, un projet phare qui, à lui seul, fournira de l'eau à plus de mille personnes chaque jour. En réfléchissant à ces réalisations, nous réalisons que, par la grâce d'Allah, avec cinq puits désormais finalisés et en service, le wharf assure un accès quotidien à l'eau à plus de deux mille personnes dans le monde. C'est une réalisation extraordinaire qui n'aurait pas été possible sans votre soutien constant. Nous souhaitons également rappeler l'importance du waqf en tant que concept. Le waqf est un acte de charité islamique basé sur la notion d'offrir un don. Une fois attribué, appartient à Allah et perdure à votre compte. C'est ce qu'on appelle une aumône continue, car votre don continue de vous rapporter des hassanet même après votre départ de ce monde. Il peut prendre diverses formes, allant de la construction de puits, la construction d'écoles, mais aussi la plantation d'arbres fruitiers, aider les plus démunis. Le Worf est un acte de bienfaisance enraciné dans la foi et l'amour du prochain. En tant que musulman, il est de notre devoir de continuer à œuvrer pour le bien-être de notre communauté et de l'humanité tout entière. Un jour, un homme vint demander au prophète, Alayhi salat wa Salam, Ô oh, messager d'Allah, quelles sont les personnes les plus aimées d'Allah, et quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Le prophète, Ali Salem lui répondit. Les personnes les plus aimées d'Allah sont les plus utiles aux autres. Et l'œuvre la plus aimée d'Allah est le fait de rendre un musulman heureux en dissipant sa peine, en remboursant sa dette, ou en le rassasiant. Il vaut mieux aider un frère dans le besoin que d'effectuer une retraite spirituelle d'un mois dans cette mosquée de Médine. Quiconque contient sa colère, Allah dissimulera ses défauts. Et quiconque domine sa rage, alors qu'il est capable de la déchaîner s'il le veut, Allah, exalté soit-il, remplira son cœur de bien-être le jour de la résurrection. Celui qui assiste son co-religionnaire jusqu'à ce qu'il ait satisfait un besoin, Allah, exalté soit-il, affermira ses pas. Le jour du jugement dernier. Ce hadith met en avant l'importance de l'aide aux autres, de la générosité et de la bienveillance envers les co-religionnaires, en soulignant que de telles actions sont extrêmement valorisées par Allah. Il encourage également la maîtrise de la colère et l'assistance aux besoins des autres, car cela est récompensé par Allah, en particulier le jour de la résurrection. Un des projets du waqf et la construction d'écoles dans des régions où l'accès à l'éducation est un luxe rare. Nous considérons l'éducation des enfants comme une priorité absolue, car ils sont l'avenir de notre communauté. Dans certains villages, les enfants travaillent au champ faute d'accès à l'éducation, compromettant ainsi leur avenir. Actuellement, la première école est financée à hauteur de 57 Et nous avons encore un long chemin à parcourir. Votre aide est cruciale pour réaliser ces projets. Nous sommes heureux d'annoncer que le wharf a également contribué à la plantation de plus de 250 arbres fruitiers. Et cela, non seulement fournit de la nourriture aux nécessiteux, mais contribue également à la préservation de notre environnement, conformément à notre devoir d'être de bons gardiens de la terre d'Allah. Ensemble, nous pouvons accomplir de belles choses, donner le sourire à nos frères et sœurs dans le besoin, donner le sourire à nos enfants. Pour avoir plus d'informations sur le WORF et pour participer au projet du WORF, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Votre contribution, aussi modeste soit-elle, peut faire une différence significative dans la vie de ceux qui en ont besoin. Le projet WORF est un exemple concret de l'impact positif que nous pouvons avoir lorsque nous unissons nos forces pour la cause d'Allah. Nous croyons fermement qu'avec votre soutien continu et la grâce d'Allah, nous continuerons à avancer sur cette voie. Merci de faire partie de cette grande aventure. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous.